Avant de commencer ce test, on voulait vous montrer. Beta nous a ramené quelques petits goodies qui seront à gagner. Donc regardez en description, on vous les présente tout de suite. On a une casquette, on a un bonnet, pareil, nickel, Beta, comme les pilotes usine. On a aussi un petit polo, hop. Et on a le pull que Maxence porte, qui lui est un petit peu plus, on va dire streetwear, qui se met très très bien pour aller en ville, etc. Il fait carrément habillé pour le coup. Donc ça, ce sera à gagner. Regardez en commentaire, ce sera divisé entre le test de la 350 qui est juste là qu'on voit. Et le test de cette moto. Bonjour à tous, on voit ensemble aujourd'hui une moto atypique, une moto qu'on voit pas souvent, la Beta 200RR. Elle a aucune concurrence puisque c'est la seule de cette cylindrée qui existe. Aucun constructeur ne fait aucune moto en 200 à part Beta. On a vu il y a 10 ans KTM qui avait fait des 200 UXC, voilà, qui était une cylindrée qui était plutôt appréciée à l'époque, qui souffrait du fait d'être face aux 2,5 notamment en compétition, mais qui était une moto qui avait beaucoup d'éloges. Donc là aujourd'hui, on repart sur une base, sur une 200. Sur cette Beta, la particularité, c'est que le châssis est basé sur la 125, le moteur est aussi basé sur la 125, avec bien sûr des grosses modifications pour l'adapter du coup à la cylindrée, avec notamment un pot qui est fait sur mesure, donc ça c'est intéressant. On va d'abord commencer par ce châssis. Et on va partir de l'avant de la moto. Au niveau des suspensions, on a cette fourche ZF qui est une solution qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est habitué au WP, au Kayaba ou Showa. Cette fourche, ils m'ont confié qu'ils ont beaucoup travaillé dessus cette année pour l'améliorer, notamment sur les tubes. Donc on va voir ce que ça donne. On a aussi à l'arrière un amortisseur de chez ZF couplé à du coup des biellettes. Voilà, une solution là assez standard avec cet amortisseur un petit peu nouveau dont on n'a pas l'habitude. Au niveau du freinage, on est du coup sur du Nissin avant-arrière avec des disques Galfer. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve plus ou moins sur d'autres motos. Du Galfer, c'est ce qu'on peut retrouver notamment sur du KTM, sur du Triumph. Et du Nissin, on voit chez les Japonais. Donc ça, c'est intéressant. On a des jantes Excel. C'est quand même super d'avoir des jantes de ce calibre-là sur une moto qui va sortir à un tarif très attractif. On est ici à 8 790 €. Pour continuer au niveau de cette partie cycle, on a un filtre à air qui va venir s'enlever lui sans outils. Voilà, le cache s'enlève sans outils. Donc ça, c'est super. On a aussi un petit système là très intéressant pour enlever la selle pareil sans outils. On pousse avec le doigt, ça s'enlève. Je laisserai aller voir, on a fait des vidéos dessus sur les réseaux sociaux. On a aussi, ce qui est très très important sur cette moto, du graissage séparé. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc sous cette selle, on a un bocal qu'on va venir remplir avec de l'huile de mélange de temps. Et ça va nous permettre de faire le plein, par exemple, à la station, sans faire de mélange, rien du tout. Juste mettre de l'essence dans le réservoir, et puis c'est parti. On nous a confié que ça durait entre 2,5-3 pleins, en général, ce petit réservoir. Donc il faut penser à le remplir. Mais moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Il est en option sur les modèles Racing, qui sont eux un petit peu plus chers, qui sont par exemple aussi équipés de Kayaba, mais ça, on aura l'occasion de le voir dans d'autres tests de moto. Si on parle un peu plus de toutes ces petites choses atypiques, on est ici un guidon avec des jolies commandes. Donc voilà, vous voyez le gros plan, c'est quand même beaucoup de boutons. Les Komodo ont l'air très très sympathiques. On a aussi un compteur. On a là le bouton pour la double courbe. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est bien. On a des motos qui sont beaucoup beaucoup plus chères et qui n'ont pas forcément les doubles courbes. Donc de voir ça sur un modèle à un prix très attractif, c'est quand même un très bon point. Au niveau du moteur, je vous l'ai dit, on est sur une cylindrée qui est très très atypique. Mais ce modèle est néanmoins basé sur le moteur 125 de chez Beta, qu'ils ont bien sûr fait évoluer. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes pièces au niveau du cylindre. On a un pot qui est bien sûr développé uniquement pour cette 200, donc qui est unique à ce modèle-là. Je vous l'ai dit, on a la double courbe, ça c'est hyper intéressant, surtout sur un modèle à un prix aussi attractif. Pour les détails, on a une boîte à clapet V-Force 4R. On a d'origine, pareil, le démarreur électrique. Donc ça, c'est pas du luxe, hein, franchement, c'est le top. On a des équipements qu'on retrouve pas forcément sur d'autres motos qui sont à des tarifs plus élevés. On a aussi, pour une petite mimine,
hop, l'embrayage hydraulique. Donc ça va être super sympathique à pouvoir essayer, surtout qu'on a un système un petit peu atypique là aussi. On a le récepteur d'embrayage qui est directement inclus au carter d'embrayage. Donc ça, c'est une solution que j'ai pas l'habitude de voir. C'est la première fois que je vais rouler sur une moto comme ça. Ça devrait pas forcément changer le feeling. En revanche, on n'a pas le récepteur qui est apparent et donc potentiellement on a moins de casse sur ce genre de système là. Maintenant qu'on a passé cette moto en revue, il va falloir aller l'essayer, voilà, voir le ressenti, comment on se sent dessus, ce qu'on en pense. Et puis on va vous faire un petit débrief. Maxence et moi, j'ai amené Maxence, c'est un pilote qui fait le championnat de France Superbike, avec qui je roule souvent d'enduro. On va vous donner notre avis sur cette petite moto, la 200 RR. Ça a l'air d'être une machine, mon pauvre, une machine de guerre. Allez, on a échangé les motos. Ah là, la 200. Oh, la 200 est nettement plus simple. Ça, parce qu'elle est plus douce en bas. Elle reste hyper maniable. Faire gaffe, j'ai pas de frein moteur là-dessus. Dans ces petites ornières là, c'est... L'heure est arrivée, le débriefing de cette moto. Purée, c'était intéressant d'être sur la selle et de voir ce que ça donne. On va commencer à parler du châssis. Toi, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu es monté dessus, quand tu as roulé? Écoute, j'ai trouvé la moto super facile. Le châssis se rapprochait vraiment d'une 125. Quand je suis monté dessus, là, ici même, là, le premier truc qui m'a marqué, ouais, c'est, t'as vu, je t'ai dit que la moto, elle faisait super fine. Ouais. Et vraiment, pas une 50, mais vraiment, on avait l'impression d'être sur une 125. Et ça, ça m'a bien plu. Et après, même les premiers tours de roue, j'ai senti vraiment la moto légère et maniable. Et voilà, vraiment niveau châssis, sans parler du moteur, j'ai vraiment retrouvé moi une 125. Ok. Et ces suspensions, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'on avait pas, quand même pas mal de trous. Ouais, j'ai pas mal de trous. Sur les petits sauts, elle travaillait bien. J'ai trouvé qu'elle s'enfonçait un petit peu dans les réceptions. Mais après, par contre, elle te rejetait pas, tu vois. C'était vraiment, elle amortissait bien les trous, souple. Mais pas pompe à vélo et pas à te renvoyer en détente. Donc non, les suspensions, pas mal. Moi, il y a juste eu le feeling sur le frein où j'ai un petit peu moins apprécié sur la 200. Je sais pas, le freinage, il m'a paru un petit peu plus dur. C'est la seule chose qui m'a un peu dérangé, mais je pense que c'est une habitude à prendre. Ouais, ça dépend de chacun. Pour le coup, c'est drôle parce que moi, le freinage, j'ai pas eu du tout de soucis. Okay. mais ouais, c'est une question de feeling. Toi, t'es aussi habitué... On l'a pas dit, mais tu fais beaucoup de superbike, etc. Ouais, ouais. Moi, pareil, on vous avait parlé de ces suspensions ZF, en disant qu'elles étaient censées être un petit peu plus souples. Elles étaient un petit peu plus souples que ce qu'on a pu voir sur la Kayaba de la 350 RR Racing. Mais franchement, ça va super bien. Là, pareil, j'étais un petit peu impressionné. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sain et d'aussi bien. La moto était quand même très stable, malgré les conditions très bonnes. Donc, on pourrait penser que ça part un peu dans tous les sens. Non, c'était franchement bien. Les freins, comme je t'ai dit, moi, je me suis senti à l'aise. Et puis pareil, même constat sur la 3,5, en fait. On monte dessus, et moi, je me suis senti bien. Le guidon, il tombe bien. Alors moi, je suis un poids à peu près normal, on va dire. Tu vois, qu'effectivement, je dois faire 70 kilos. Mm-hmm. Et je suis à peu près un peu ta taille, tu vois, 1m75, 1m77. Ouais. Donc une taille à peu près normale. Mais franchement, tout tombe sous la main, quoi. Oui, oui, oui. Et je pensais au moteur. Moi, j'avais un peu les a priori. Je me suis dit, est-ce que c'est un 125? Est-ce que c'est plus un 2,5?
final, c'est une 200, mais ouais. Ça veut dire quoi en fait, tu vois, je sais pas comment tu t'es senti dessus. Moi, je m'attendais à monter sur la moto et avoir un 125 qui allait avoir un petit plus. Ouais. En fait, au final, moi, là, si je devais la rapprocher soit de la 125, soit d'une 250, eh ben, je rapprocherais le moteur d'un 250. Ouais. Franchement, j'ai trouvé beaucoup plus de couple que sur un 125 d'enduro. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié le moteur. Quand on se trompe d'un rapport sur un 125, la moto, tout de suite, t'es obligé de reprendre l'embrayage et tout. Là, dans des épingles assez serrées, en troisième, la moto, elle ressort. Il y a du couple. Ça j'ai apprécié et j'ai pas retrouvé du tout les défauts du 125. Voilà. Après, les deux maps aussi ont été super intéressantes. Mmh. J'ai trouvé vraiment pour du franchissement un petit peu plus trialisant, la map pluie, vraiment douce, le moteur très souple. Et après, une fois qu'on veut attaquer en spécial, on switch de map. Et là, j'ai senti vraiment la diff où la moto elle a des montées en régime beaucoup plus rapide. Et là, c'est vraiment super plaisant. On sent que la moto marche et tout. Et puis la map pluie, pour faire un peu plus de franchissement, un peu plus smooth. Le moteur est carrément validé, ouais. Et c'est drôle parce que on faisait les prises de vue. Et dans la vie, tu me dis, tiens, là, j'aimerais bien mettre un peu plus de gaz. Je dis, mais attends, t'es en quelle map? T'étais en map pluie et t'as mis la map soleil, la map, j'imagine, plus puissante. Ouais. On pourrait l'appeler la map hard, entre guillemets, exactement. La map soft. Et là, t'as fait le passage et on a vu vraiment la différence. Moi, en tout cas, je l'ai vu la différence. Ouais. Et toi aussi, tu m'as dit, ah ouais, il y a vraiment régime, une différence. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait bien aimé aussi sur la 3,5. Mmh. Parce qu'en fait, on a une double map, mais elle sert vraiment à quelque chose, ouais, tu vois. Carrément. De mon côté, ce moteur, pareil, vraiment une bonne surprise. Il reprend bas. Mmh. Il monte bien dans les tours. Il est assez fun. Moi, j'arrive pas à le placer. J'arrive pas à un gros 125, j'arrive pas à un petit 2,5. C'est vraiment à part. Et ça, tu vois, c'est de la banane en parlant. En fait, ouais. Ça a un charme de fou. Et t'as un agrément qui est hyper particulier que tu retrouves sur moi, aucune moto que j'ai testée. Pourtant, des 125, j'en ai essayé à l'appel. On a tous des copains, ils ont toutes les marques de 125, les Beta, les Sherco, les TM, les KT, etc. Et les 2,5 pareil. Mais ça ressemble à rien au final. On a ce petit agrément-là. Mmh. C'est super intriguant comme cylindré. Mmh. Et franchement, c'était sympa d'explorer un petit peu ce moteur-là. Franchement, super. Ouais. Moi, si j'avais quelque chose à améliorer sur cette moto, je dirais c'est peut-être là dans les conditions délicates. Des fois, vu que c'est un deux temps, il y a des fois tendance un petit peu, peut-être en map hard, à être un peu plus à envoyer un petit yap yap. Et du coup, là, on avait beaucoup de trous dans des virages. Et du coup, peut-être des fois un peu peur, moi qui suis un pilote vraiment amateur, j'ai pas encore la technique de pouvoir accélérer complètement et de faire confiance à la moto. Donc des fois, tu vois, je passais plutôt un rapport au-dessus. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, comme tu dis, un rapport au-dessus, ça passe aussi. Peut-être un petit peu moins vite, mais ça passe. Exactement. Donc c'était hyper intéressant d'avoir ce compte rendu là. Je comprends ce que tu veux dire quand tu es sur le rapport là pour ressortir vraiment de manière optimale. Quand tu vas remettre le filet de gaz, la moto elle est assez nerveuse. Mm. On a du mal à trouver un petit peu le moment où la moto se cale, etc. Mais avec une map avec la map pluie, c'était un petit peu mieux. Et puis sinon une vitesse au-dessus et la moto elle ressort carrément bien aussi. Si on va pas chercher le chrono, franchement, non, c'est super. Tout à fait. Moi, je peux y trouver des excuses, mais les conditions étaient particulières et c'est vrai que ça faisait, on avait toujours un petit peu peur de partir plein gaz en sortie de virage. Mmh. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est, comme toujours, le mieux, c'est de vous faire un avis par vous-même. On espère qu'en tout cas, notre avis d'amateur a été intéressant. Vraiment une moto à part. Je pense que c'est le constat. C'est quelque chose. Moi, c'est vraiment la moto que je voulais tester cette année en enduro parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais testé, que ce soit toi ou moi. Mmh. C'est une moto que je recommanderais. C'est pour moi une moto qui a un vrai charme, un vrai agrément, tu vois. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Elle sort du lot et c'est super intéressant comme moto. Ouais. Super. On vous remercie d'avoir regardé ce test. Laissez vos questions en commentaire. Venez discuter avec nous sur les réseaux sociaux, aussi bien moi que Maxence. Carrément. Voilà, Maxence, comme je vous dis, il fait aussi du superbike. Il est aussi guide moto, etc. Donc, pour lui poser des questions, il s'y connaît, aussi bien en mécanique que sur la partie pilotage. Donc voilà, le but, c'est d'échanger. On est là aussi pour répondre à vos questions. Il y avait Yannick, il y avait Félix de Beta. Donc, ils nous ont parlé de cette moto, ils nous ont donné tous les petits détails. On peut pas parler de tout en vidéo, bien évidemment, on doit faire des choix. Mais voilà, venez discuter avec nous de cette moto. On vous remercie beaucoup pour le visionnage et à très bientôt. Ça va ? Ah, c'est traître, hein. Tu l'as eu? Eh merde. Je pense. De loin, mais ça va?
Et il est traître un peu. Très sec, très gras.